6 heures le matin, en ce 10 septembre 2020, so why is it, mesdames, messieurs? Pourquoi si tôt? Parce que aujourd'hui, j'enregistre le deuxième du M et Boilard. Trois thèmes, on va revenir sur le fait que Éric s'est fait varloper par Patrick Lagacé, puis il y a eu une réponse ce matin en presse du directeur de l'Institut économique de Montréal. Donc, on va parler de ça. Après ça, on va parler de mon sujet un peu qu'on a abordé hier, à savoir est-ce que les gens font la différence entre le personnage et puis la vraie personne. Dixit Guy Nantel qui se fait attaquer un peu à la course à la chefferie du PQ sur le fait qu'il va faire encore des shows puis qu'il ne peut pas les annuler parce que sinon il y a une grosse pénalité. Et puis blablabla. Puis là, ben, ça ramenait l'idée que ce gars-là fait des jokes sur Alice Paquette d'agression sexuelle. Peux-tu tout à coup être un politicien de renom alors qu'il fait des jokes là-dessus, etc.? Alors moi, j'allègue que les gens font pas la différence. Puis le fameux « Ah, ce que je faisais, c'est un personnage », c'est pas vrai. Oh, j'ai oublié de fermer ma fenêtre. Ça sera pas long. Ça fait que, donc, trois thèmes le fun. Le dernier étant celui de ce matin que je fais avec vous autres. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Éric a hâte de refaire? Qu'est-ce que j'ai hâte de refaire? Parce que je pense souvent à ça. Tellement, là, je vous fais toutes sortes de confidences personnelles. Il m'arrive de plus en plus de m'étendre. Tu sais, mettons, exemple, quand je fais du vélo, ce qui va devenir malheureusement un petit peu moins fréquent qu'avant. Je m'arrête dans le coin de la salle, sur le bord du fleuve, là, banc de parc, etc. Puis là, je m'étends. Puis j'écoute, mettons, le bruit du fleuve ou bien, tu sais. Puis là, je m'imagine à des endroits que j'ai visités que j'aime énormément. Ça fait que ça, là, ça traduit réellement le manque. Je me souviens d'avoir fait un épisode qui disait « Je m'ennuie de la Floride puis de New York, mais je veux rentrer dans les activités comme telles. » Puis je m'ennuie réellement d'assister à du sport, d'assister à un grand rassemblement, mais pas un rassemblement spectacle. Pour toutes sortes de raisons, j'ai arrêté depuis plusieurs années d'aller aux événements, les premières de shows, etc. Quand tu rentres dans le showbiz, évidemment, c'est très excitant d'être en coulisses d'un gala juste pour rire, etc. Moi, j'ai toujours... Ça. Puis, je veux dire, encore aujourd'hui, je trouve pas ça banal. C'est tout sauf banal. Mais c'est pas vrai que je me déplace comme je me déplaçais avant pour dire que je vais voir telle show ou telle affaire ou tout. Ça s'est un peu estompé là, au fil des années. Mais ça reste des événements, tu sais, c'est sexy quand même, là, puis c'est trippant d'être à une place où tu sens qu'il y a un peu d'exclusivité, puis là, t'es en backstage, puis tout ça, c'est le fun. Mais ça, tu vois, ça n'a pas changé. C'est pas quelque chose que je me suis dit, ah, ben vois-tu, avant, on pouvait piger là-dedans comme dans un plat de bonbons, puis là, aujourd'hui, je l'ai pu, puis j'aimerais ça le revendre. Non. Moi, c'est des grands événements sportifs. Moi, je vous le jure, là, la dernière fois que j'étais allé au Yankee Stadium, en plus, les Yankees ont gagné par un point en 9e manche. Ils perdaient par 2 points, puis il y a eu deux coups qui ont été faits en 9e qui font en sorte que, si je me souviens bien, c'est passé de 4-3 à 4-4, puis tout à coup, il y a eu, je pense qu'il a frappé un double ou je sais pas trop, puis ça a été 5-4, terminé. C'était les Yankees en 9e, donc qui étaient chez eux, donc qui étaient en deuxième partie de la 9e manche. Puis là, quand ils ont scoré, c'était tout. C'était terminé, ils venaient de gagner. Ça fait qu'ils ont fait une remontée de 2 points pour gagner, mais vous n'avez aucune idée. Puis moi, je me promenais à ce moment-là. J'étais en train de me promener dans... Parce que ce stade-là, moi, je me fais triper en fou, là. Puis tu peux... Un peu comme au Centre Vidéotron versus le Centre Bell. C'est-à-dire que le Centre Bell, quand tu es dans les aires communes, où tu peux te promener avec les trucs de restaurant, etc., il y a un mur en arrière des concessions qui donne vers la glace, ce qui fait que tu vois rien. Il y a juste les portes qui te permettent d'entrer réellement dans l'amphithéâtre où tu peux voir la glace. Sinon, il y a des murs, puis le long de ces murs-là, il y a les concessions puis tous ces trucs-là. Mais si tu vas au Centre Vidéotron, c'est l'inverse. Les concessions sont toutes via le mur extérieur de l'amphithéâtre, ce qui fait que quand tu te promènes, tu vois tout le temps tout. Ce qui, dans le fond, c'est un must. Puis la plupart des grands stades sont faits de même, puis le Yankee Stadium, il est fait de même. Et moi, j'étais en 9e en train de me promener. J'avais quitté mes places. J'étais tout seul.
puis j'étais en train de me promener. Puis là, tout ça arrive. Fait que là, tu sais, je veux dire, la frénésie, je sais pas, peut-être que si j'avais été assis, ça aurait pas été pareil, ou, mais les gens capotaient tellement, puis moi, je sautais dans les airs. Tu sais, c'était quelque chose. Ça, là, ça me manque énormément. Ça me manque énormément. Puis le prochain coup, je vais aller voir un gros show, genre Centre Bell. Le dernier étant Kiss. J'ai vu Kiss, moi, mars et août 2019. Sans Vidéotron, c'est là que je suis allé pour la première fois. C'était pour Kiss, mars, 19 mars, je pense, 2019. Puis aux alentours du 16 août, il était revenu pour une deuxième fois au Centre Bell. Puis j'étais allé. Puis, tu sais, vraiment, c'est des rassemblements que ça me manque énormément. Ça, là, j'ai vraiment hâte. Parce qu'à un moment donné, il faut se projeter un peu, là, tu sais. Honnêtement, moi, ma vie a recommencé pas mal parce que, j'en parle souvent, moi, je suis les consignes, mais pas plus. Je suis dans l'équipe solution, j'appelle, là. C'est dans le sens que le jour où les cinémas ont réouvert, j'étais là, je vais au gym, ouais, let's go. Mais je fais tout ce qu'on me dit, puis que je crois qu'il est la bonne chose, là. Je mets un masque, je m'lave les mains, blablabla, tu sais. Je ne serre plus les mains maintenant. Évidemment, j'embrasse plus mes chums, là. C'est comme, me semble, à moins que par réflexe, on s'en souvient plus, là. Pis... Mais, tu sais, mes chums de filles, habituellement, c'était comme un peu... Là, on a cassé ça, ça me dérange pas. Ce bout-là me dérange pas. Mais ma vie n'est pas si différente. C'est autour de moi que c'est différent. C'est autour de moi où je vois bien que, coudon, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de monde que ça au centre-ville? Pourquoi? Marie qu'ailleurs, je vois bien ou j'entends que ça bouge beaucoup plus, puis telle affaire. Tu sais, moi, je trouve que c'est très encourageant. On entend beaucoup parler de vaccins. Moi, je le répète, la deuxième vague, j'y crois pas, dans le sens que j'y crois pas, pas que j'y crois pas, genre, c'est un complot, mais je crois pas que ça va avoir lieu, dans le sens qu'il peut y avoir une recrudescence, on le vit, mais une recrudescence qui va nous amener où on était, j'y crois pas. J'y crois pas du tout, parce que on n'est pas du tout, justement, les mêmes comportements, donc le virus peut pas se promener autant qu'il veut, comme avant, puis on est mieux outillé si tout à coup il arrive des éclosions à droite ou à gauche, etc. On sait vraiment, vraiment comment dealer avec ça. Ça fait que je pense honnêtement qu'à quelque part, le pire est en arrière. Ceci étant dit, ça n'empêche pas de faire ce qu'il faut faire. C'est ça que je fais. Mais bref. Ça fait que ça me manque beaucoup. Ça me manque énormément des rassemblements sportifs. Je trouve tellement que c'est hot. Puis savez-vous ce que je pensais aussi récemment? Je me disais, quand je suis allé au Yankee Stadium, par définition, il y avait au moins minimum 50 % de gens qui votent pour Trump dans ce grand amphithéâtre-là, dans ce stade-là. Puis, peut-être plus. Baseball, football, le football surtout, j'associe ça au Midwest puis au centre américain très conservateur, très républicain. Puis, évidemment, Yankee Stadium, New York, etc., il devait avoir ben, là, du démocrate de par la ville elle-même, etc. Et mettons à peu près 50-50, chacun peut y aller de ses théories. Mais quand est-ce que ça s'est battu pour des raisons politiques? Quand est-ce que quelqu'un est arrivé avec sa calotte MAGA? Ou Black Lives Matter? Jamais. Tu vas voir du sport, puis on dirait que les Romains l'avaient compris quand ils disaient du pain et des jeux. Le sport a un côté rassembleur extrêmement salutaire. À la rigueur, le spectacle aussi, mais on dirait que le spectacle, ça fait fi de tout, tu sais, je sais pas. C'est pour des raisons que j'ignore, c'est pas pareil. Mais le sport, c'est extrêmement rassembleur. Alors évidemment, d'une ville à l'autre, ça divise à mort. Canadien nordique, moi j'ai vécu ça. C'était épouvantable. Ça faisait des chicanes dans les réveillons. Puis c'était vraiment... Mais il reste que le sport a cette qualité-là de nous mettre un sourire d'en face puis de faire en sorte que ton voisin... Puis il y a une grande leçon là-dedans. Parce que c'est Barack Obama qui disait ça dans une entrevue il y a quelques mois. Il s'adressait à des jeunes, puis il parlait de la culture woke, là, tu sais, puis vive les minorités, puis soyons tous égales, puis blablabla. Puis il disait, tu sais, il dit, vous autres, vous êtes militants d'un côté de la clôture, puis il dit, moi, j'ai tendance à être de votre bord, tu sais, j'ai milité pour ça, pour une plus grande égalité aux États-Unis, puis tout ça. Mais il dit, reste que les gens que vous critiquez, qui sont l'autre bord de la clôture, comprennent non seulement les républicains, mais les pro-Trump. Il dit, ces gens-là, là, c'est qu'à la base, c'est quand même des très bons citoyens. C'est vrai qu'un républicain, règle générale, c'est quelqu'un qui travaille. Tu sais, je veux dire, moi, ça me rejoint pas tant, le gars qui son pick-up,
c'est pas ma vie. Mais le gars avec son pick-up et tout, là, il a fallu qu'il se l'achète. Hein? Il l'a pas volé. Ça veut dire qu'il a travaillé. Ça veut dire qu'il a payé des impôts. Il consomme, il paye des taxes. C'est un excellent citoyen. Après ça, il y a une vision du monde qui transcende sa cour, qui est discutable. Mais si tu dis, cette personne-là, je voudrais savoir si c'est un bon voisin, si c'est quelqu'un que je peux côtoyer. Écoute, règle générale, c'est même des gens religieux qui vont à la messe le dimanche, puis qui ont des principes, etc. T'sais. Ça fait que je trouve ça intéressant, ce bémol-là, de ne pas oublier qu'à travers le fait qu'il y a des gens avec qui on peut avoir des divergences extrêmement fortes, irritantes, voire très irritantes même, il reste qu'au quotidien, est-ce que dans la vraie vie, c'est des gens qui sont des bons citoyens? Est-ce que c'est des vendeurs de drogue? Est-ce que c'est des violents? Est-ce que ben, la réponse, c'est peut-être que oui, mais probablement que non, parce que c'est pas tout le monde qui l'est. Ça fait que ça aussi, on l'oublie. Puis quand t'es dans une manifestation sportive, ça te le ramène en pleine face. Le gars avec qui tu fais des high-fives parce que l'équipe vient de gagner puis tu tripes, peut-être que si tu t'en vas au breuvage avec, tu vas réaliser que tabarouette, écoute, il y a des visions là, que je partage pas en tout. Mais à ce moment-là, c'est quelqu'un sur qui on change de terrain. Puis parlant de terrain, vous remarquerez que tout ce qui peut fâcher actuellement, ça se passe majoritairement sur Internet et non pas dans la rue. Sérieux, là? Anti-masques, complotistes, etc. Ils sont où, moi, dans ma vie? Ils sont nulle part. Si je ferme Internet, là, je suis pas au courant de ça. Zéro. J'en vois pas, j'en entends pas, j'en côtoie pas. Mais je vous rappelle qu'Elisabeth Crête, avec qui je travaille maintenant chaque jour au 93 à 15h, avec l'équipe de Bouchard en parle, je ferai une petite parenthèse tantôt là-dessus parce que je suis vraiment très content. Elle disait que selon le sondage, c'est 10% qui disent qu'il n'y a aucune chance de se faire vacciner. Puis il y en avait un autre 15% qui disait probablement pas. Bon, puis comme elle soulignait, elle dit ces 10%-là, s'ils font énormément de bruit parce qu'on relaie ce bruit-là, mais dans la vraie vie, là. Puis en plus, ultimement, si 10% veulent pas, il y en aura probablement 10% pour d'autres raisons qui peuvent pas, qui pourraient pas, qui je sais pas quoi. Ça fait que, tu sais, quand on a accès à des infos, puis quand ces infos-là tournent en boucle, etc., ben on finit par dire « Ah, mon Dieu, nous sommes envahis. » Dans la vraie vie, là, c'est quoi une manifestation de 2000 personnes qui dure 3 heures? On est 8 millions, c'est quoi, là? Ça change quoi? Je vous en nomme des manifestations de 2000 personnes. Quand je suis allé au bordel dimanche, je suis passé, tout à coup, j'ai vu plein de police. Il y avait une manif dimanche soir, lundi soir, il y avait une manif anticapitaliste. Puis il devait être 50. Vous avez entendu parler? Ah, regardons ça, toi. Pourtant, vous pourriez faire. Les jeunes n'ont pas autre chose à faire que. Ben, eux autres, c'est ça qu'ils avaient à faire ce soir-là. C'est une cause qu'ils croient. Ils se disent, c'est épouvantable. Ils ont cassé zéro rien, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Puis la police était là, puis ils ont tout fait leur. Ils ont fait leur manif slash parade, puis ils sont rentrés chez eux, puis ils étaient encore fâchés, je suppose. Je sais pas. Je fais juste vous dire, vous n'êtes pas au courant. Ça a changé quoi dans votre vie? Rien. Oups, tout à coup, c'était passé. Attention, manif là. Il y a du monde qui ferait ça encore, des gauchistes. Ça fait que ça, il faut relativiser. Ça fait que l'exemple du sport, le goût d'y retourner, etc., ça nous rappelle qu'à quelque part, il y a des choses qui divisent, mais il y a des choses qui cimentent. Puis ces affaires-là, c'est le fun en crime. C'est vraiment trippant, tu sais. Ça fait que moi, ça me manque énormément. Je vous le dis, là, c'est le bout qui me manque. Puis l'autre affaire qui me manque, c'est la frénésie d'une foule dehors. Pas nécessairement festival ou autre, mais un centre-ville qui groove. Du monde là, qui se promène, des magasins achalandés, des restos, des terrasses, etc. L'idée de voir du monde qui sont à l'extérieur, ça aussi, ça me manque. Je trouve ça plate, cette espèce de planète des singes dans laquelle je suis baigné. Ou est-ce que, oui, chaque semaine, j'ai l'impression que ça ouvre un peu plus, bon, blablabla. Mais il y a un côté... Ça fait que, tu sais, il y a des réflexions à avoir là-dessus, à voir que, dans le fond, tu sais, on aime bien... Comme moi, je suis quelqu'un, je suis ravi de travailler de chez nous. Sérieux, mes journées cette semaine, c'est top. À 2h30, je me log. J'embarque avec ma petite boîte via Internet dans la console OFM 93. Je dis salut à Jean-Jean Dédé, qui est le metteur en onde. À 2h, l'émission... À 2h30, je fais ça. L'émission, elle commence à 2h. Là, je les écoute.
Je les écoute une demi-heure. Ben, je ne serai peut-être pas tout le temps une demi-heure à l'avance selon l'horaire, mais là, actuellement, ça fit bien. Ça fait que tu pourrais être mieux préparé. Puis, comme de raison, le sujet sur lequel j'embarque, c'est souvent un sujet sur lequel il parlait. Puis là, on file une demi-heure. Puis moi, j'adore la dynamique. C'est tout du monde que je connais déjà, tu sais. Sylvain, je veux dire, c'est un chum depuis août 2013. C'est lui qui m'a embarqué même au FM 93 dans le temps. Elisabeth, on allait bruncher souvent. Jean-Simon, on s'est pas vu en dehors, mais on s'entend super bien. Puis après ça, ben, y a des d'accord, pas d'accord là-dedans, puis excellent. Mais t'sais, je l'aime, cette équipe-là. Ça a été... Je les voyais à distance, puis d'être dans le feu de l'action. Il y a une excellente écoute de la part de tout le monde. Moi, c'est des sujets faits pour la discussion, là, d'ailleurs. C'est vraiment pas « voici ma chronique, taisez-vous », puis après ça, je m'en vais, puis je retourne dans ma caverne. Là, je pose tout le temps des questions. J'avais développé ça avec Eric dans le temps. C'est que c'est fait pour que tout le monde participe. Puis ça passe là, du très léger, le fun, à justement... hier, on parlait de Nantel, les personnages, etc. Bon, ça tire partout. Puis je le vois que ça partit vraiment fort. J'ai eu d'excellents commentaires à l'interne, à l'extérieur. Je suis super content. Puis c'est un rendez-vous que j'aime. Tu sais, c'est comme... J'ai hâte, là. Je me dis, là, c'est comme aller au breuvage. C'est comme, hey, on va au breuvage. Tu vois tes amis, c'est le fun. Il y a un côté de tout ça. Je suis vraiment ravi de tout ça. Ça fait que c'est vraiment trippant. Ça fait que c'est ça. Ce qui me manque, c'est beaucoup des moments. C'est des moments. Puis c'est ça, beaucoup, la vie, hein. Je me souviens, une fois, je parlais avec un gars avec qui je partageais des bureaux quand j'étais au tout début de ma boîte de gérance. Je n'étais même pas rendu dans un vrai bureau. C'était un appart qu'on avait loué qui servait de bureau à une autre compagnie. Puis un des gars est devenu mon partner au fil du temps, François Simard. Puis je lunchais, je pense, avec un de ses associés à lui à l'époque. Puis il m'avait dit, tu sais, il dit... Le bonheur... c'est pas constant. Être heureux, c'est pas tous les jours, tout le temps. Il dit, être en couple, si t'aimes ta blonde puis que ça va bien, c'est pas je vis le nirvana, je vois fluo, c'est pas ça. Il dit, une fois que de temps en temps, il y a un pique-nique, il y a une patente, il y a un moment qui pique, les aiguilles sont dans le rouge, puis tu fais, c'est hot. Puis le reste du temps, c'est un peu banal, je veux dire... Adèle Vanrette, là, qui est une philosophe en France de plus en plus connue, elle a écrit un livre qui s'appelle « La vie ordinaire ». Puis elle dit quoi d'écœurant? Elle dit « Il y a une différence entre le quotidien et l'ordinaire ». Elle dit « Le quotidien, tu peux le changer en pesant sur un bouton. Tu peux décider de tout changer, puis que le lendemain, il y a un prêt à payer, mais tu peux lâcher ta job, lâcher ta femme, tout, changer de ville, tu peux tout faire ça, pour vrai. Mais l'ordinaire, ça te rattrape tout le temps. Peu importe ce que tu fais, même si c'est spectaculaire au début, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Je parle comme si j'étais un prof qui vous engueule. Je vous ai dit, ouais, moi, les shows, c'est plus le sport. Pourquoi? Parce que les shows, c'est devenu ordinaire. Pas je l'ai banalisé, puis je continue d'apprécier mon milieu, les gens là-dedans, tout ça. Mais c'est devenu ordinaire. Ça nous rattrape. Même un profil comme moi qui est naturellement enthousiaste. Moi, je dis souvent, j'ai été diagnostiqué maniaco-dépressif, mais toujours en phase maniaco. Tu sais, je suis tout le temps excité. Ça fait que je trouve ça intéressant, tu sais. Ça fait que l'ordinaire finit tout le temps par te rattraper, mais le quotidien, lui, il peut changer. Bon, ben, quand je pense au moment qui me manque, c'est pas que je veux aller tous les jours au Yankee Stadium, comprenez-vous? Puis quand je m'étends pour penser à des moments spéciaux, c'est des tout petits moments, mais qui, avec le recul, ils prennent énormément de place. Puis tu te dis, quand je vais revivre ça, tu sais, c'est comme un peu mettre... tu joues à un jeu de société, puis là, t'avances ton pion, touc, 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 touc. Puis là, quand t'arrives sur le pion qui fait que carte chance, puis vous gagnez 2000$, bien, tout le reste du jeu est fait, dans le fond, pour arriver sur cette petite case-là. Fait que tu dis, crème, à quoi ça sert toutes les autres cases? Bien, ça sert éventuellement, c'est le passage obligé pour arriver sur la case qui fait que tu tripes. Voilà, c'est un peu ça que je voulais vous jaser ce matin. Donc, surveillez bien, je pense qu'on va lancer l'épisode dimanche. Je vais regarder avec Eric, c'est lui qui met ça dans son Facebook. Moi, je le mets sur mon YouTube et je l'aurai en audio aussi. Les gens étaient contents de l'avoir en audio la dernière fois. Je ne sais pas si on va faire une heure et demie encore, on va voir. Mais les sujets sont le fun. Ça va revoler. Ça fait que je vous dis bonne journée. Je vous rappelle que 24 septembre, c'est le temps de réserver votre billet. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 50. Il y a déjà pas mal de parties pour le Jésus à Montréal et Québec.
le 18 septembre. Comme d'habitude, je mets le lien d'ici là. Je mets le lien dans mes affaires ou sinon, vous pouvez toujours aller sur ma page Facebook / ici Marc Boilard, puis vous allez voir les événements là, avec toutes les coordonnées, etc. Merci toujours de me suivre. Je ne le dis pas tout le temps, mais c'est hyper apprécié. Salut, à demain.